Hola la famille Sécu et bienvenue sur 3 minutes de mignonnerie, 3 minutes d'image où on accueille Sully. Enfin, quand je dis on, c'est surtout la mame qui a accueilli Sully. Et oui, ma maman a accueilli cette petite patate. Et justement, cette petite patate est née le 9 mai d'une portée de 3 chiots. Ils étaient 2 petits gars. Une petite damoiselle, et pour ceux qui se demandent, Sully vient de l'élevage Honest Bulls. C'est un petit élevage familial qui est tout près du Mans. Pourquoi un Boston Terrier? Tout simplement parce que la maman a toujours aimé les faces plates et elle voulait un juste milieu. Elle voulait pas un chien qui a besoin d'énormément d'activités comme un berger australien, un border collie ou plein d'autres races en vérité, mais en même temps elle voulait un chien qui peut se bouger quand même, le juste milieu de la famille Q. Cet élevage m'a été conseillé par Virginie, qui est la petite maman de Saturne. Ils font tous les deux partie de la famille depuis un bail, et en fait, Virginie et Saturne, ils sont passés à la maison. La maman, elle est venue et tout pour rencontrer Saturne, et ça a été la confirmation de la race. Forcément, on est allé dire bonsoir, c'est nous, on est allé visiter. On est tombé sur la portée de 3 petits chiots. La mère de cette merveilleuse portée était adorable, trop mignonne, câline et tout. Du coup, ma mère, elle était super contente. Du coup, on est allé le chercher le samedi 8 juillet. Il a été super courageux. Pendant une heure de trajet, il a pas bougé. Il a dormi dans les bras de la maman. Tout s'est super bien passé. Et il est arrivé à la maison comme un petit cul super courageux. Et pourquoi lui précisément et pas un autre? Eh bien, je reviens en arrière, mais parce que le jour où on est allé visiter, le chiot, elle l'a eu dans ses bras et il est resté pendant un moment comme ça. Il est resté au moins 20 minutes à dormir dans ses bras et là, ma mère, elle a eu un coup de cœur. Elle s'en foutait que ce soit un mâle, une femelle. Elle voulait quelque chose, tu vois. Elle voulait un truc, un petit coup de cœur quelconque et elle l'a eu. Et du coup, Sully. C'est l'année des U, si je dis pas de bêtises, mais on a décidé de s'en fiche complètement. Moi, personnellement, je voulais qu'il s'appelle Taco. La maman n'a pas voulu. Je t'invite à faire une pétition pour qu'on le renomme Taco, parce que c'est vachement drôle, Olive et Taco, là. Mais bon, c'est Sully. Et en parlant d'Olive, évidemment, ils se sont rencontrés. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Ce que je peux déjà te dire sur le caractère de la petite crotte, c'est qu'il est vraiment câlin, comme sa maman. Il fait beaucoup de bisous, beaucoup de câlins, très proche. Et pour connaître la suite de l'histoire, bah, n'hésite pas à t'abonner. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets la cloche, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Instagram et tout le bordel. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt. Bisous. Mais dis-toi, toi, René, toi. Oh, il est trop mignon. Oh.